Le robinier. Le nombre de pins qu'il y a au domaine de Certes par Rhône. Et il dit que ce sont d'énormes pins, de très très gros pins. Avant qu'on les... Les plus vieux du secteur, ce sont ceux de Certes. Ce sont ceux de Certes. Ce sont les plus vieux, hein. Ils ont au moins 150 ans. Entre Certes et Lonto. Oui. C'est là qu'il y avait la forêt de pins. Et Piquet, a... c'est quand même M. Verruga qui a semé Piquet. Ah oui. Eh ben oui. Oui. Il a traversé sur des radeaux, il a emporté. À Piquet, oui, pas tout à fait. Non. Fin 17e, voilà. Non. Piquet, oui. Non, c'est 1836. Ah oui, là-bas. Les premières plantations de... Non, tu n'y es pas du tout. Ah bah tiens, j'ai je les plans. Je te sors des cartes en 1820 tout autour de Lège. Alors qu'est-ce que tu me racontes? Ah, Lège. Tu parles de Piquet. Eh bien, Piquet, il a traversé au XVIIe siècle avec des radeaux. On a les textes. Oui. Mais c'est M. de Rua qui est allé faire semer là-bas. Hein. Mais les premières plantations... Non, moi, je... Ah ben oui, non, moi, je suis gars. Les premières garantis. Plantations entre Piquet... Petit Piquet, hein. Non. Petit Piquet, les dunes... C'est très ancien. Non, tu parles du Brémontier avec le littoral. Oui. Bon, moi je te parle de l'intérieur. Le littoral océanique, oui. C'est vrai, oui. Parlons de Brémontier, oui. Mm-hmm. Mais alors avant, on a semé d'un temps immémorial, dit-on, oui, déjà sur au XVIIe. Alors, quand on parle d'un temps immémorial et qu'on écrit ça au XVIIe, ça veut dire que ça remonte au moins à deux ou trois générations. Oui, quoi. Oui. Et ils avaient la méthode de mettre des branchages dessus pour pas que les animaux... Bien sûr. Donc, Rua transporte des branchages par radeau. Radeau, d'ailleurs, écrit RAT plus loin des EAU. C'était assez amusant. Mais ils transportaient la méthode aussi pour mettre des branchages sur les graines. Alors, donc, aujourd'hui, nous avons comme module bien avancé l'ostréiculture, la sylviculture. Alors, est-ce que vous, Claude... C'est de l'improvisation.